Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, la paix du Seigneur est avec nous parce que nous l'entendrons dans les lectures, Dieu est amour. Aujourd'hui, bien sûr, nous accueillons avec joie tous les fidèles qui sont venus dans cette cathédrale. Nous accueillons aussi avec joie ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame et ceux qui nous regardent à la télévision KTO. Aujourd'hui, nous portons tout spécialement dans notre cœur les victimes de l'attentat d'hier, victimes de la haine quand nous prêchons un Dieu d'amour. Notre Seigneur Jésus-Christ a révélé le véritable visage de Dieu. Dieu est amour, et celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Ce Dieu de miséricorde et d'amour, c'est à lui que nous nous adressons en commençant cette Eucharistie, car nous savons que nous sommes pécheurs et que nous avons à grandir dans l'amour que le Christ nous communique. Voilà pourquoi, en commençant cette Eucharistie ensemble, nous reconnaissons notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne, avec nous, témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur a son trône dans les
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité.
De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? Oui, je sais, nous sommes dans le temps de Pâques. Oui, je sais, nous fêtons la résurrection du Seigneur et nous nous en réjouissons. Mais il reste cette question. Pourquoi le Christ a-t-il été ressuscité? Pourquoi a-t-il été victime de tant de haine? Lui qui est passé dans le monde en faisant le bien? Lui qui a répondu à toutes les sollicitations, qui a fait voir des aveugles, entendre des sourds, marcher des boiteux, pardonner même les péchés à ceux qui venaient jusqu'à lui, tous ces pécheurs. Il est même allé jusqu'à ressusciter des morts. Et quand il parlait, il nous a simplement révélé que Dieu est amour. Et il nous a parlé d'amour et de paix. Pourquoi donc a-t-il été victime de tant de haine? Pourquoi donc est-il mort crucifié par les hommes? Je ne vois qu'une seule réponse, frères et sœurs. Et cette réponse, c'est que l'amour n'est pas aimé. C'est la réponse de saint François. Comme c'est étrange, alors que l'humanité aspire de tout son cœur à l'amour, alors que nous savons bien que la seule chose qui nous construit, c'est d'aimer et d'être aimé, pourquoi donc n'avons-nous pas reçu l'amour quand il est venu nous visiter? Nous l'avons appris dans la deuxième lecture, le Christ nous l'a révélé et nous l'a montré par toute sa vie. Dieu est amour. Mais je crois que nous ne voulons pas dépendre de l'amour de Dieu. C'est cela, peut-être, la véritable raison. Nous ne voulons pas dépendre d'un autre. Nous sommes imperméables à la source de l'amour. Nous voulons nous-mêmes aimer à notre manière. Nous ne voulons pas dépendre de Dieu. Or, nous avons tout reçu de Dieu. La vie que nous avons, nous ne l'avons pas décidée à un quelconque moment de notre existence. Nous avons accueilli la vie, nous avons à accueillir l'amour tel qu'il se donne, comme la vie telle que nous l'avons reçue. Nous le savons bien dès le début de la Genèse, cette Genèse qui explique ce que nous vivons non seulement depuis le commencement, mais aujourd'hui encore. Que dit le serpent? Vous serez comme des dieux. Et voilà la grande tentation de l'humanité, de se passer de Dieu, de prendre la place de Dieu et d'être comme Dieu, de vouloir aimer de la manière dont nous voulons aimer nous-mêmes, pensons que nous sommes capables d'aimer par nous-mêmes. Or, nous voyons que nos sentiments sont tellement fugaces et soumis à tant de contradictions. Comment pouvons-nous être nous-mêmes la source de l'amour? Quelle illusion! Nous sommes devant ce mystère d'un refus d'accueillir celui qui est l'amour.
Il a été victime de la haine. Et si nous sommes disciples de Seigneur Jésus-Christ, nous serons nous aussi victimes de la haine. C'est bien ce que dit le Seigneur. Oui, nous allons suivre le Christ et nous voulons vivre l'amour, mais nous savons aussi que nous serons moqués, brocardés, ridiculisés, et dans certains pays, nous serons même persécutés. Acceptons-nous de suivre le Christ et d'accueillir l'amour jusque-là. Nous sommes chargés de montrer et de porter la vie au monde dans une culture de mort. Cette culture de mort qui s'exprime de tant de manières, hier par une haine aveugle au nom d'un Dieu que personne ne connaît, sinon celui qui est le père du mensonge et de la haine. Nous portons la vie face à ceux qui répandent cette culture de mort par l'euthanasie, par l'avortement, pensant par compassion que c'est le seul moyen de répondre à la souffrance humaine. Nous portons l'amour dans un monde égoïste qui se retourne sur soi. Le monde dit « c'est mon choix ». Nous, nous disons « que ta volonté soit faite ». Le monde dit « parce que je le vaux bien ». Nous, nous disons « tu as du prix à mes yeux et moi je t'aime ». Le monde dit « c'est ma vie et je fais ce que je veux de ma vie, sans considération pour les conséquences de mes actes. » Et nous, nous disons à la suite du Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà. Voilà pourquoi, si nous suivons le Christ, si nous essayons de mettre en place ce que le pape Jean-Paul II a appelé la civilisation de l'amour, nous serons moqués, persécutés. Il faut le savoir. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, nous a dit notre Seigneur Jésus-Christ. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Pourquoi s'en étonner? Vous allez peut-être me dire, pour suivre le Christ, il faut être masochiste. Non. Si le Christ nous a dit cela, c'est pour que sa joie soit en nous et que nous soyons comblés de joie. C'est là sa prière vers le Père. Oui, que ma joie soit en eux. Aimer et se mettre au service de la vie, c'est cela qui nous comble de joie. Et seul le Christ peut nous l'apprendre. Nous avons entendu la manière d'être apôtre. Un apôtre, ce n'est pas celui qui parle bien, qui aurait fait des études poussées, qui serait brillant. Non, un apôtre, quand il a fallu remplacer Judas, les disciples ne se sont pas trompés. Ils ont pris simplement quelqu'un qui avait accompagné Jésus depuis son baptême jusqu'à son ascension, pour qu'il soit témoin de sa résurrection, c'est-à-dire de la force de la vie plus forte que la mort, de la force de l'amour qui a triomphé de la haine. Et le sort est tombé sur Matthias. Matthias, qui a accompagné le Seigneur Jésus dans toute son existence, qui s'est laissé former par le Christ, par ce compagnonnage. Et il en est ainsi de chacun de nous, frères et sœurs. Il nous faut aussi apprendre ce compagnonnage. Par la prière, par le cœur à cœur avec notre Seigneur dans le silence de nos demeures, par la prière que nous portons ensemble, puisque deux ou trois réunis sont sûrs d'avoir la présence du Seigneur, par les sacrements de l'Église par lesquels le Seigneur nous donne sa grâce, et particulièrement à l'Eucharistie, où il vient lui-même vraiment présent dans son corps pour nous donner sa vie.
Voilà comment se construit jour après jour aussi avec cette parole de Dieu que nous scrutons dans l'Écriture. Comment se construit l'intimité avec le Christ, le compagnonnage avec le Christ qui seul nous permet de le suivre en vérité et d'accueillir l'amour de Dieu qui veut se communiquer à nous pour aimer comme Dieu, comme Jésus, et pour vivre déjà, dès aujourd'hui, la vie éternelle. Alors, frères et sœurs, accueillez ce don pour entrer dans la joie de Dieu. Invisibilium, et invisibilium,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré.
pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue en la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te confions en particulier, Seigneur, les victimes des attentats. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce
et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh.
Je vous invite à emporter votre feuille de liturgie à la page 4. Vous avez l'agenda des célébrations. Notez que mercredi prochain, à 19h30, nous avons la veillée pour la vie en présence des évêques d'Île-de-France. Vous imaginez bien qu'il faut que nous soyons nombreux à prier le Seigneur pour qu'on puisse ensemble construire cette civilisation de l'amour et de la vie. Samedi prochain, il n'y a pas de messe à 8h et 9h en raison du départ du pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté vers Chartres. En revanche, à partir de 10h jusqu'à 18h, il y a l'ostension de la relique du cœur du Padre Pio. Donc, si vous voulez venir vénérer ce cœur et surtout prier le Padre Pio, eh bien, n'hésitez pas à venir, on sera là, ce sera une vénération qui sera naturellement avec des méditations. Et puis le soir, notre archevêque, à 21h, lors de la vigile de Pentecôte, confirmera 400 adultes. Nous rendons grâce pour tout cela. Dimanche, le jour de la Pentecôte, il y a la conférence à 17h. Et lundi, ça sera la première fois que l'Église catholique fêtera la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Alors, pour marquer cette fête, après la conférence à 16h, nous ferons une procession mariale sur le parvis à 16h30, qui s'achèvera par les vêpres solennelles et la messe présidée par Monseigneur Aupetit. Donc je vous invite vraiment à venir nombreux, si vous êtes là, le lundi de Pentecôte pour pouvoir fêter Notre-Dame et donner un beau témoignage de foi sur le parvis. Jeudi prochain, il y a un concert qui sont précisément des chants sur la Vierge Marie du XIIIe siècle. Prions ensemble. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi.